Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Pie, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous nous retrouvons pour le deuxième entretien sur les principes et fondements, la deuxième partie. Donc, qui est très, aussi très, très, très importante. C'est l'usage des choses, l'usage des créatures. Donc, nous avons vu que nous sommes créés pour louer, honorer et s'avertuer, et par ce moyen, posséder la vie éternelle. Mais il y a les choses, et c'est la deuxième partie de cet exercice fondamental. Et les autres choses, dit saint Ignace, qui sont sur la terre, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant que elles le conduisent vers cette fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elles l'en détournent, autant que, pas plus que. Pour cela, poursuit saint Ignace, il est nécessaire que de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce que est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses, que la pauvreté, les honneurs, que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés, la possession de la vie éternelle. Très belle considération ignatienne. Donc dans la première partie de cet exercice que nous avons fait tout à l'heure, nous avons trouvé trois grandes vérités. D'abord Dieu, Créateur, le Père Tout-Puissant, l'Infini, l'Immense. Et nous avons dit que Dieu est amour et que tout a été créé par amour. C'est le propre en effet de l'amour que de se donner. Dieu est amour, Deus Caritas Est, affirme Iterum et Iterum, saint Jean. C'est la plus belle définition que l'on puisse donner de Dieu. L'amour se donne, l'amour se communique. C'est pour cela que tout existe. Donc d'abord Dieu, et la création est une preuve à la fois de l'existence de Dieu, comme je vous le disais, il faut un principe pour expliquer toute chose, qui n'ont pas en elles-mêmes leur raison d'être, et ce principe de l'existence divine étant posé, on comprend que Dieu soit amour, puisque la créature est la preuve que Dieu se donne, se communique, veut se donner pour se être possédé éternellement. Donc, première vérité, Dieu, avec ses qualités, puissance, amour. Deuxième vérité, c'est l'homme. L'homme a été créé. L'homme, créature de Dieu, qui a été réalisé, qui a été fait pour un plan d'amour. Le posséder in eterno, éternellement. L'homme est créature, mais une créature libre, intelligente et libre. Et Dieu respecte cette liberté et nous offre de collaborer avec lui à ce plan d'amour. Ce plan est que nous devenions des saints, des élus. Il n'y a au ciel que des élus, que des saints. Ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. Voici la volonté de Dieu, votre sainteté. Il nous l'offre, cette sanctification, sans contrainte,
comme créature libre. Donc Dieu, première vérité. Deuxième vérité, l'homme, créature libre. Face à ce projet divin de sanctification. C'est la troisième vérité, notre sanctification. Parce que Dieu est charité et qu'il veut se communiquer et se donner. Ceci est important. Dès que l'on sépare l'homme de Dieu, on perd le sens de l'homme. Sur ce sujet, Jean-Paul II a dit de nombreuses et belles choses dans son livre posthume « Mémoire et identité » que je me suis permis de commenter en 2003-2004 dans un petit livre, ouvrage que j'ai intitulé « La politique de Jean-Paul II ». Oui, dès que l'on perd le sens de Dieu, on perd le sens de l'homme. On perd le sens de l'homme, le sens de sa grandeur. On ne comprend plus qu'il est créature de Dieu, créé par Dieu, à son image et ressemblance, et qu'il a été créé par Dieu pour réaliser avec Dieu, aidé par Dieu et sa grâce, librement, son plan d'amour. Et on en fait, comme dans le communisme, une unité de production, voire un principe raciste. Comme avec Hitler. Donc, trois vérités. Dieu, l'homme, et le plan de salut, et le plan de Dieu, notre salut, afin que quiconque croit en lui, dira Saint Jean, ne périsse plus, mais ait la vie éternelle. Mais il y a une quatrième vérité, c'est celle que Saint Ignace nous demande de contempler dans cet exercice. Une quatrième vérité, c'est les autres choses. Et les autres choses, vous dit Saint Ignace, et les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire un usage autant qu'il le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Voilà des réflexions de bon sens. Je vais donc vous commenter ces grandes vérités et après vous irez vous reposer dans votre cellule, dans votre bureau et nous reprendrons cet exercice demain matin avant la messe. Nous nous retrouvons donc demain matin, si vous le voulez bien, à 7h30 pour la prière du matin, suivi de la reprise des considérations de ce soir, suivi de la Sainte Messe à 8h du matin. Donc, nous nous trouvons dans cet exercice ignatien devant le problème des choses, des autres choses. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu, ni nous. Ces autres choses, vous l'avez appris petit, peuvent être classées en trois grandes catégories. Les minéraux, les végétaux et les animaux, parmi lesquels l'homme animal raisonnable. Mais avec un peu plus de détails, on doit dire que les choses, ce sont les biens immeubles, les biens meubles, les valeurs financières, bancaires, l'or, l'argent, les outils, les entreprises, les avions, les voitures. Les choses sont aussi la science, la possession d'une science, les études, les diplômes. Les choses, c'est encore l'art, la musique, la peinture, l'architecture. C'est aussi la nourriture, la boisson, les petits plats, les grands vins, les liqueurs. Les choses, c'est aussi les loisirs, les moyens que nous prenons pour les occuper, les stades,
de football, que sais-je, de tennis, la télévision, le cinéma, le théâtre, le chant, la plage, la montagne, le ski, la chasse, la pêche. Tout cela, ce sont les choses. Les choses, ce sont aussi des événements qui passent, des situations sociales, le milieu social dans lequel nous sommes obligés de vivre. Tout cela, oui, ce sont les choses. Et ces choses qui nous entourent, ces autres choses, ne sont que des moyens. Ah, voilà. Et nullement un but. Des moyens pour atteindre, par contre, le but, à savoir la possession de Dieu. Le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Tout n'est que moyen. Et dès que l'on parle de moyen, eh bien, on parle d'une notion corrélative, celle de mesure, celle de rapport, de relation. Prenez l'exemple du voyage en train. Vous allez à Paris, de Paris à Thiviers, au couvent Saint-Paul, pour une retraite, et vous appliquez nécessairement la mesure, le autant que, pas plus que. Autant que, pas plus que. Vous prenez ce train autant qu'il vous conduise à Thiviers, mais pas plus. Dans tous les domaines matériels, nous appliquons la bonne mesure, en tout. Le malheur, le grand malheur, c'est que nous manquons à la mesure, souvent, dans nos relations avec Dieu. Et c'est pourtant l'essentiel. Le Seigneur, on sait que nous savons que Dieu a posé des commandements, des béatitudes, qu'il a fait un code pour aller à lui. Mais nous, les hommes, nous en prenons et nous en laissons. Nous avons facilement tendance de manquer à la mesure, à l'autant que, à nous laisser entraîner par nos passions, par oublier le code divin. Et nos passions nous portent d'abord à ce qui nous plaît et à échapper à ce qui nous déplaît. Nous sommes faits pour le bonheur éternel, le bonheur divin, en réalisant le plan de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a un code à suivre, qui parfois peut être pénible à suivre, qui réclame bien sûr des sacrifices. Ben oui. Croyez-vous que Sainte Jeanne d'Arc a pu réaliser son plan sans sacrifice? Croyez-vous qu'elle a pu conduire le dauphin à Reims pour y recevoir son sacre sans douleur, sans difficulté? Mais non. Oui. Quelquefois, c'est la maladie qu'il faut supporter pour arriver au ciel. Quelquefois, c'est le déshonneur. Saint Athanase a été expulsé ou a dû se retirer de son diocèse 3 ou 4 fois. Regardez l'exemple de Mgr Lefebvre, que j'ai bien connu, puisque j'étais tout au début avec lui, et que je garde de lui un souvenir émouvant, ému. Mgr Lefebvre, quelle épreuve a-t-il pas dû supporter pour rester fidèle et nous sauver le trésor de l'Église, qui est la messe, nous le verrons dans les prochaines conférences. Oui, pour arriver au ciel, il faut faire parfois des choses difficiles. Mais voyez la contrepartie, c'est le ciel précisément, c'est ce bien ineffable. Pour certains, c'est l'amour et la passion de la chasse, la passion de la pêche. C'est bien la pêche,
C'est bien la chasse, mais autant qu'eux, pas plus qu'eux. Il est dangereux, oui, de nous laisser entraîner par nos passions. Elles ne voient pas le but. Elles ne voient que le plaisir immédiat. C'est pourquoi, dit saint Augustin, saint Ignace, il faut nous rendre indifférents pour garder la mesure en tout. Il est nécessaire de nous rendre indifférents. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, non point l'indifférence stoïcienne, ce n'est pas catholique, non point l'indifférence d'apathie, ce n'est pas non plus catholique, le ciel se donne aux violents, dira notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'indifférence ignatienne, c'est l'indifférence de volonté. Je veux réaliser le plan de Dieu, j'ai été créé pour cela. Et je veux réaliser ce plan en moi, coûte que coûte. Ce plan qui est général, mais qui est aussi particulier à chacun de nous. Je veux le réaliser, quoi qu'il arrive. Particulier, j'ai un but comme tout le monde, le ciel, mais dans le sacerdoce, et donc je dois m'appliquer, à respecter, à vivre ce sacerdoce tel que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a communiqué. C'est parfois très pénible pour réaliser ce plan, et donc il faut se rendre indifférent à tout ce qui arrive. Pas plus, nous dit saint Ignace, pas plus porté à ceci qu'à cela. Une seule chose, ne pas commettre le péché qui m'éloigne du plan divin et de ma fin. Une indifférence de volonté à tout ce qui se présente sur ma route. À travers toutes les choses de la terre, je veux partout suivre le plan de Dieu. Nous devons être indifférents au cheminement que Dieu nous impose. Une seule chose me préoccupe, je veux réaliser le plan divin, quoi qu'il arrive. Alors saint Ignace vous dit, pas plus porté à la santé qu'à la maladie. Cela ne veut pas dire que la santé égale la maladie, non, que nous devons sauvegarder la santé, qui est un bien autant qu'il est en notre pouvoir. Mais s'il y a litige entre ma santé ici-bas et ma santé éternelle, tant pis pour ma santé ici-bas. Je choisis la santé éternelle. C'est du reste ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, parce qu'il vaut mieux entrer borgne au ciel que d'aller avec deux yeux en enfer. C'est une grande chose que d'aller au ciel avec ses deux yeux, bien sûr, mais une plus grande chose encore, de gagner le ciel, même s'il faut sacrifier un œil. Tout ce que Dieu nous envoie est commandé par sa providence et n'a pas d'autre but que de nous faire gagner le ciel. Mais oui, vous avez un cancer, il faut le soigner, bien évidemment, mais en l'acceptant comme purification de vos péchés ou en offrant vos souffrances à Dieu pour devenir co-rédempteur à son image. Mais en l'acceptant comme oui, comme purification, en offrant vos souffrances, vous dis-je, vous ne savez pas quel degré de mérite vous pouvez obtenir. Mais si, au contraire, vous servez de l'épreuve pour blasphémer. On peut dire qu'après avoir passé à l'enfer sur la terre, vous vous préparez à avoir l'enfer pour l'éternité. Il en est de même de la richesse. La richesse est un grand bien. Mais si je dois me damner par une trop grande richesse, alors Seigneur, gardez-moi d'une trop grande richesse.
Envoyez-moi la pauvreté plutôt que la richesse, si c'est nécessaire. La seule chose qui m'importe, c'est le ciel, être indifférent à tous les moyens terrestres, les autres choses. Une sainte indifférence par rapport aux choses. C'est identique pour l'honneur, pour le mépris, c'est un choix. Mais pour choisir, et bien choisir, il faut être indifférent. Ne pas mettre en avant, coûte que coûte, la santé, la richesse, l'honneur. La loi de Dieu avant tout, son ciel avant tout. Être indifférent en allant au plus sûr et en choisissant uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. L'indifférence ignatienne est une attitude préliminaire qui nous permet de bien choisir. Prenez un exemple très simple, l'exemple du train. Vous voulez venir à Thiviers, au couvent Saint-Paul, vous allez à Paris, vous partez de Paris, et une seule chose vous occupe, vous êtes indifférent à la qualité des wagons, qu'ils soient confortables ou pas, l'essentiel c'est la direction, c'est la finalité, n'est-ce pas, quels que soient les moyens. C'est Paris, Paris-Limoges par exemple, et la seule chose qui vous préoccupe, eh bien, c'est la direction de Limoges, le quai, le train qui se trouve à Limoges, quelle que soit sa situation, pour Limoges. Être indifférent à tout, sauf au but, à l'éternité. Je dois faire, je dois voir la loi de Dieu et aller au plus sûr. Voyez la parabole de la pierre précieuse dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vend tout ce qu'il possède pour acquérir ce champ, même si ce champ est pierreux. Il est fou d'acheter ce champ pierreux. Non, non, messieurs, il a trouvé la pierre précieuse, le ciel. C'est ainsi, si nous avons compris la valeur de la vie éternelle, nous serons décidés et mettre le prix, n'importe quel prix. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà une belle méditation. Il s'agit du problème des choses et des autres choses qui ne sont d'autre qu'autant que deux moyens pour aller au ciel. Rien ne peut me faire perdre cette fin, cette finalité. Puisque tout est moyen pour me sauver. Et il faut remarquer combien nos contemporains, pour ne pas dire nous-mêmes d'ailleurs, combien nos contemporains sont obnubilés par cette vie terrestre temporelle, sont comme fascinés par cette vie, par ces choses, oubliant la finalité de leur existence. Je vais vous prendre un exemple enfant. Nous, avec des camarades, nous allions à la cueillette des noisettes à fin septembre ou mi-septembre. Noisetiers, il y avait un endroit où les noisetiers étaient particulièrement abondants et productifs. Et alors, un jour, nous étions trois, et nous arrivons au pied d'un noisetier, et nous voyons au sommet d'un arbre un oiseau. Qui se souciait pas de notre présence, mais qui descendait
de branche en branche. Et cela nous a paru fort étrange. Et j'ai regardé, personnellement, j'ai regardé au bas de l'arbre, et là, j'ai remarqué un serpent de belle taille. Et il fascinait cet oiseau. Ses yeux étaient dans les yeux de l'oiseau et l'attiraient. Hein? Inéluctablement, j'allais dire, dans sa gueule. À peine l'oiseau est arrivé à notre niveau, comprenant le drame qui allait se passer pour l'oiseau, je fais un mouvement violent et je coupe le lien, en quelque sorte, qu'il y avait entre le serpent et l'oiseau. Ce geste fut un geste libérateur. L'oiseau put prendre, en effet, son vol sans nous donner un coup de vol d'aile pour nous remercier de sa libération, car quelques instants plus tard, il était absorbé et perdu dans la gueule du serpent. Il était fasciné. Et en le fascinant, il l'a tiré dans sa gueule. Alors le serpent, évidemment, s'enfuit rapidement, et l'oiseau, délivré, prit son essor. Non sans nous remercier, vous dis-je, avec raison, en passant d'un coup de l'aile, car un instant plus tard, il était perdu. Eh bien, l'effet produit, c'est un exemple, sur l'oiseau, par le regard fascinateur du serpent, et celui-là même que peuvent faire les choses de ce monde temporel sur l'intelligence, la volonté et le cœur de l'homme. Le même effet sur celui qui commet l'erreur de prendre la vie, et c'est bien, pour la fin, pour la vraie fin. Victime comme l'oiseau, et celui qui ne voit plus rien au-delà de cette vie, au-delà des affaires de cette vie, rien au-delà des occupations de cette vie, rien au-delà des biens et des maux, des joies et des peines de cette vie, rien, fasciné par la vie, cette vie et ses plaisirs. Pour celui-ci fasciné, tout est renfermé dans les étroites limites du temps. Qu'on essaye de lui parler d'une autre vie, d'autres intérêts, d'autres biens, d'autres maux, comme l'oiseau fasciné, il ne voit rien. Il n'entend rien. Il va toujours dans la voie où le chant trompeur l'attire. Voulez-vous en convaincre de cette fascination que le mot porte sur la plupart d'entre nos concitoyens? Regardez les hommes à l'œuvre, observez leurs habitudes, connaissez leurs préoccupations, leurs craintes, leurs ambitions, leurs douleurs, lisez leurs journaux, leurs livres, leurs discours publics, prêtez l'oreille à leurs conversations intimes, renouvelez 10 fois, 100 fois, 20 fois, à toute heure et dans toutes les circonstances, l'épreuve vous rapportera la même réponse, fascination. Fascination des choses d'ici-bas, des bagatelles qui les empêchent de voir les biens réels, les maux réels. Et surtout, l'abîme vers lequel il marche. Et je prétends, j'affirme, que cette erreur de prendre les biens de ce monde, les autres choses, pour le tout de mon être, me dégrade
et me rend malheureux. Je suis fait pour meilleur, je suis fait pour mieux. Je suis fait pour grand, plus grand, pour plus grand. Je suis fait pour l'éternité. Et c'est ravaler mon être à peu de choses que de le laisser fasciner sur les choses de ce monde. Je suis fait pour le ciel. Je suis fait pour le royaume éternel de Dieu. Voilà mon héritage. Qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce que cette vie? Qu'est-ce que c'est bien devant le monde divin qui m'attend? Voyons. Cet être immortel, dont les destinées sont si hautes suite à son baptême, est-ce seulement raisonnable qu'il se laisse fasciner par la seule vie présente, passagère et fugitive? Oui, vous dis-je, il est fait pour plus grand, il est fait pour meilleur, il ne peut borner son espérance au seul bien du temps et passer ses années à seulement les acquérir, à les conserver, à les espérer, ne chercher qu'à conquérir les terres, des châteaux, des parcs, des monceaux de pierres d'os, d'or et de papier monnaie, se distraire, se promener tout à l'aise et oublier sa finalité, le royaume de Dieu. C'est me dégrader, vous dis-je, que vaut de gagner l'univers, dira Jésus, si l'on vient à perdre son âme. Quid hoc ad aeternitatem, vous disais-je tout au début, qu'est-ce que cela par rapport à l'éternité? Et l'histoire nous a gardé un dialogue fameux qui me plaît de vous rappeler entre Philippe de Néry et un certain jeune homme François, plein d'avenir, intelligent, de bonne famille. Étant venu voir l'illustre confesseur de Rome, celui-ci fixe sur l'adoration un regard paternel et le prenant dans ses bras lui dit « Francesco, que fais-tu maintenant ?»« Ah, je fais mes études. » »« Tu seras un brillant élève, couvert de couronnes et chargé de prix. » »« Et après ?»« Après ?» Quand j'aurai terminé mes humanités, j'apprendrai le droit civil et le droit canon. Tu recevras tes grades avec applaudissements de tes juges. Tu seras docteur in utroque. Et après, j'entrerai dans la magistrature. Tu seras un jurisconsulte célèbre. Et après, je me marierai. Tu auras une belle et nombreuse famille. Et après, je continuerai d'exercer ma profession afin de donner une position honorable à mes enfants. Ta fortune te sourira. Ils seront riches et après, je composerai des ouvrages utiles à ceux qui suivront ma carrière. Tes ouvrages auront un grand succès. Tu seras l'oracle de tes confrères. Et après, je jouirai tranquillement des biens que j'aurai amassés et de la considération que j'aurai acquise. Tu vivras dans l'opulence, ton nom sera honoré, et après, je vieillirai, et comme tous les mortels, je paierai le tribut de la nature. Je mourrai, et après, oui, après, cher Francesco, il faudra être jugé, absous ou condamné, sans appel, pour toute éternité. Je ne blâme rien de ce que tu veux faire, seulement si tu te laisses absorber, fasciné par les travaux de la vie présente, sans les rattacher par la foi aux réalités de la vie future, tu tombes dans la plus dangereuse et la plus cruelle des folies. Tu te seras consumé à poursuivre un fantôme que tu n'auras pas saisi. Et à l'heure du départ, tu te trouveras les mains vides, vides de bonnes œuvres, semences de vie immortelle, et peut-être pleines d'iniquité, semences de mort.
sans résurrection. Francesco garda le silence, embrassa le père et sortit. Mais le coup avait porté. L'après du père Philippe lui restait dans l'esprit. Il ne pouvait s'en débarrasser. De guerre lasse, il se met à méditer cet après important. Bientôt, Dieu aidant, ses illusions disparaissent. Il comprend que la vie ici-bas n'est pas la vie. Et un homme sage, il la fait résolument servir à l'acquisition de la vie véritable. Ce récit me fait penser au texte du riche de l'Évangile. J'ai beaucoup de biens et j'en ai pour longtemps. Repose-toi, mon âme, mange, bois, fais bonne chère. Insensé, cette nuit, on te redemandera ton âme, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez relire ce récit dans Luc, chapitre 12, versets 17-21. Hein? Repose-toi, mon âme. Mange, bois, fais bonne chère. Insensé, cette nuit, on te redemandera ton âme. N'est-ce pas cette fascination qui occupe le cœur de bien des gens? Jeunesse, santé, beauté, plaisir, honneur, existence, tout passe. Ces choses passent. Là est peut-être le ver rongeur de tous les fascinés du monde. Et ce ver, lui, ne meurt pas. Permettez-moi encore une autre réflexion. L'amour de la vie est le ressort de l'agir humain, n'est-ce pas ? En effet, image vivante de Dieu vivant, l'homme est vie. Pour lui, la vie n'est pas seulement le premier et le plus précieux des biens, elle est son être. Hors de la vie, néant. L'homme aime donc la vie du même amour qu'il s'aime lui-même. Il l'aime essentiellement, il l'aime passionnément, il l'aime invinciblement, il l'aime partout. Pourquoi aime-t-on l'enfant ? Parce que c'est la vie qui vient. Pourquoi respecte-t-on le vieillard ? Parce que c'est la vie qui s'en va. Pourquoi éprouve-t-on un sentiment de curiosité religieuse à la vue d'une vieille ruine? Parce que la vie est passée par là. L'homme n'aime que la vie. S'il boit, s'il mange, s'il sort, s'il dort, s'il veille, s'il travaille, s'il pleure, s'il se réjouit, c'est par amour de la vie. À la conserver et à la développer se rapporte sans exception dans tous les âges de sa vie, ses instincts, ses pensées, ses affections, ses paroles, ses privations, ses craintes, ses désirs, ses actes, ses vertus et même ses crimes. Plutôt que de perdre la vie, il consent à tout. Que l'homme, étant ce qu'il est, soit persuadé que la vie d'ici-bas, c'est la vie, toute la vie, et que les choses ici-bas sont tout pour lui, et qu'il n'a pas d'au-delà, qu'il n'y a pas d'au-delà, pas de vie éternelle, une pareille erreur le rend fou, fou furieux. Courte et bonne, dit-il, puisque la vie présente est tout, que les choses présentes sont toute la vie, je veux en vivre, vivre pleinement, constamment, par tous les moyens possibles. C'est la loi de mon être, vivre, c'est jouir, et jouir, c'est faire usage de tout. Mais dans une telle philosophie de jouissance effrénée, je cultive la mort. Vous voyez tous ces jeunes qui se donnent à la drogue et à l'overdose et que l'on trouve raide mort. Mais hôte, par contre, de ce cœur, cette erreur, que la vie d'ici-bas, c'est la vie. Et à la place, fait prévaloir cette vérité que la vie d'ici-bas n'est que l'ombre et le vestibule de la vraie vie. La préparation est le gage de la vie vraie, éternelle. Et que tout n'est que moyen pour atteindre cette vie éternelle. À l'instant s'opère
une révolution miraculeuse. L'homme dégrisé ne s'attachera plus à la vie présente, il ne s'attachera plus aux choses d'ici-bas, sinon comme moyen de gagner l'éternité. Il n'usera de ce monde comme n'en usant pas, comme le dit saint Ignace. Toujours cependant, avec la même énergie vitale, c'est sa croix, il cherchera l'éternelle vie et il s'attachera à ses devoirs, car il sait que là dépend la vraie vie pour laquelle il a été créé, n'étant plus pour lui sa fin, mais seulement des moyens, il en use comme n'en usant pas, comme le réclame notre Seigneur Jésus-Christ. Et une ultime réflexion, souvenez-vous des hommes antédiluviens, uniquement livrés à la triple concupiscence. Et vivant que de la chair, le Créateur fut saisi d'une douleur si profonde, tactus dolore, tordis, intrinsecus, qu'il se repentit d'avoir créé l'homme. Et il ajouta, puisque toute chair, non seulement a corrompu sa voix, mais que l'homme est devenu chair, mon esprit ne demeurera point en lui. Et il périra, et avec lui les créatures dont il s'est fait des instruments d'iniquité. Donc Genèse, chapitre 6, versets 3 à 12. C'est le déluge. Le châtiment suivit de près la menace. Vint le déluge, qui les emporta tous. Venit deluvium et tulit omnes. Et pourquoi les hommes, antédiluviens, étaient-ils devenus chers, comme l'exprime l'Écriture? Parce qu'ils avaient pris la vie d'ici-bas pour la vraie vie. La vie d'en haut, ils l'avaient oubliée. Pour eux, le monde surnaturel n'était plus rien. Le monde matériel était tout. Ils étaient fascinés par ce monde matériel, fascinés par cette erreur désastreuse. Que faisait-il? Écoutons la réponse. Il ne songeait qu'aux besoins et aux plaisirs du corps, à boire, manger, à se marier, à acheter, à vendre, à planter, à bâtir. Ils avaient oublié le ciel. Ajoutons un dernier trait, si ce n'est pas le moindre des caractéristiques de ce temps, qui correspond bien aujourd'hui à notre époque. Ils se moquaient de Noé, qui en bâtissant son arche, leur annonçait que cela finirait mal. Eh bien, regarde, cher retraitant, écoute, interroge et dis-moi, pris dans sa généralité, les hommes et les peuples d'aujourd'hui font-ils autre chose? Songent-ils à autre chose? Désirent-ils autre chose? Sur la conduite d'un grand nombre, le monde surnaturel pèse-t-il plus qu'une plume dans le plateau d'une balance? Il est permis d'en douter. Le commerce et l'industrie du commerce. Écoute les discours politiques. L'industrie et le commerce, n'est-ce pas là leur éternel refrain, leur centre d'attraction et d'action? Le commerce et l'industrie, ou comme ils disent, les spéculations et les affaires, pourquoi? Pour avoir de l'or. Et pourquoi de l'or? Pour s'enrichir et jouir davantage. Pourquoi tout cela? Parce que l'homme moderne, comme l'homme ancien, est devenu cher. Comment est-il devenu cher? Parce qu'il s'est laissé fasciner par la grande erreur qui consiste à croire que la vie d'ici-bas, c'est la vraie vie, et que les biens d'ici-bas sont tout pour l'homme, oubliant l'éternité. Et afin que rien ne manque au parallélisme, ce siècle ne souffre pas non plus qu'on lui parle
ni de vie surnaturelle pour laquelle il est fait, ni des dangers qui le menacent s'il oublie son éternité. Ceux qui ont le courage de le faire, eh bien, se font ridiculiser comme Noé l'était de son temps. Ainsi, plus l'homme s'occupe de ce monde, moins il s'occupe de l'éternité. Moins l'homme s'occupe de l'éternité, plus il s'éloigne de sa fin. Et plus un être s'éloigne de sa fin, plus il devient coupable. Plus il devient coupable, plus il est malheureux. Si donc un siècle s'occupe exclusivement, on peut s'en faut, des intérêts de ce monde, plus redoutable est l'avenir qui se prépare. Comment dans l'histoire des peuples chrétiens, on ne trouve aucune époque qui, sous le rapport du débordement de la vie matérielle, ressemble aussi bien que ce siècle à l'époque immédiatement antérieure du déluge. Voilà donc une méditation sur cette deuxième partie des exercices du deuxième partie du principe et fondement de Saint Ignace.